Bonjour, aujourd'hui on va voir comment est-ce que ça peut être rentable de construire des lots de garage plutôt que de les acheter sur un terrain déjà bâti. On se retrouve à Superbès sous la neige, donc j'en profite pour faire une petite vidéo depuis le balcon de l'appartement qu'on a loué. Alors, la construction de garage, c'est une idée souvent qui vient en tête. Quand on commence à chercher des garages et puis qu'on se rend compte que finalement c'est pas si facile que ça et qu'il n'y a pas autant d'opportunités qu'on aimerait, et donc on se dit pourquoi pas acheter un terrain pour construire des garages. Alors construire des garages, déjà il faut bien évidemment un terrain. Personnellement, moi je me suis penché dans cette optique là puisque sur les lots de garages en fait que j'ai acheté, et bien sur certains en fait il y a la possibilité de construire 2 voire 4 ou 5 garages sur certains. Donc c'est à dire que je suis déjà propriétaire du terrain et que je ne suis pas ce coût de construction. En fait, on va dire, j'ai pas le coût du terrain, j'ai juste le coût de construction. Alors déjà, pour construire des garages, ça se fait pas tout seul, il faut une autorisation. Alors la bonne démarche, c'est que avant d'acheter le terrain, il faut d'abord vérifier ce qu'il y a dans le PLU. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Tu peux le trouver sur internet, peu importe en fait la commune dans laquelle tu vises le terrain. Ce document-là, en fait, est très important parce qu'en fait, c'est un petit peu la politique de développement foncier de la ville. Dans ce document, on va voir que la ville est découpée en plusieurs zones. On a des zones, centre-ville, périurbaines, on a des zones artisanales, des zones industrielles, des zones agricoles. Et en fait, toutes ces parcelles-là, toutes les parcelles en fait de la ville et des alentours sont, comment dire, elles ont un chiffrage, d'accord ? Elles ont un lettrage, c'est-à-dire que c'est AA, AB, ZU, voilà. Et en fait, tu vas te reporter à la notice du PLU qui va te permettre de savoir ce que tu peux faire ou ne pas faire dans telle zone. Par exemple, sur une zone, par exemple ZA, on va dire que c'est zone agricole, eh bien, tu ne pourras que construire des bâtiments agricoles. Donc forcément, un lot de garage, ce ne sera pas possible. Une fois que tu as fait déjà ce premier boulot là, tu vas savoir si à peu près sur ton terrain tu vas pouvoir construire des garages ou non. Si c'est pas clair, mieux vaut passer un petit coup de fil à la mairie ou au service d'urbanisme pour savoir si c'est un projet qui peut potentiellement être validé pour eux, puisque tu vas avoir ensuite besoin d'un permis de construire pour construire les garages. Alors les garages, une fois que tu as passé ces étapes là, eh bien, le plus souvent, une fois que tu as validé ça, tu vas faire des plans. C'est-à-dire que tu vas dire, par rapport au terrain, je peux placer tant de garages, je peux les placer dans tel sens. Tu vas optimiser, on va dire, l'espace pour que tu puisses construire le maximum de garages possible. Alors, la taille standard d'un garage, c'est de 2,5 mètres sur 5 mètres en longueur, 2,5 mètres en largeur. Moi, je trouve ça un peu juste, donc si on peut construire un petit peu plus grand, eh bien, c'est pas plus mal. Je pense que ça permettra de louer plus cher et aussi de stationner plus de véhicules. Hein. En tout cas, des breaks, des gros 4x4, des choses qui sont assez à la mode en ce moment. On peut les construire en différents matériaux, et ça aussi, ça va souvent être déterminé par le PLU, puisqu'il y a quand même une espèce de... là on est à la montagne, donc on va pas faire n'importe quoi, on va pas construire des immeubles tout en béton, on va essayer de mettre du bois, on va essayer de garder un petit côté uniforme, on va dire, dans la région. Donc c'est à dire que par exemple si tu vas dans le sud de la France, au niveau du toit, on va peut-être t'interdire de mettre du bac acier, on va peut-être t'obliger à mettre de la tuile. Et inversement, si tu es dans le nord, par exemple, au lieu de mettre du parpaing, tu vas peut-être devoir construire en briques. Ce sera pareil pour les finitions, parce que par exemple si tu construis des garages en parpaing, et bien souvent on va te demander de mettre un enduit extérieur, et la couleur de l'enduit, par exemple, tu n'auras pas le choix, ou ce sera la couleur des portes que tu n'auras pas le choix. En fait, ça va dépendre vraiment de ce que définit le PLU et la mairie. Donc il y aura aussi des contraintes, on va dire, en termes de construction, que ce soit dans les matériaux, que ce soit du béton, du parpaing, de la brique, du bois, peu importe, et même au niveau de la toiture, que ce soit sur du bac acier, de la tuile, d'ardoise, on va dire, ça va vraiment devoir s'adapter à la région dans laquelle tu te trouves. Au niveau du prix et de la rentabilité, comment est-ce que ça peut se passer? Il faut déjà que tu saches que moi, je ne suis pas allé au bout du projet parce que je n'avais pas trouvé ça rentable dans mon cas. J'avais étudié, en fait, sur une parcelle où j'ai un lot de 22 garages, la construction de 4 garages. J'avais fait faire des devis par un maçon qui avait chiffré la construction des garages en dur à 14 000 euros, et je crois qu'il y avait 4 000 euros de plus pour la toiture. D'accord ? Donc on arrivait à peu près à 18 000 euros au total pour les 4 garages, sans les portes. D'accord ? Avec les fondations, ça prenait une dalle en béton, des murs en parpaing, une toiture en bac acier, les gouttières et un enduit pour finir par-dessus le parpaing. D'accord ? Et là-dessus, il fallait rajouter la pose de porte, une porte standard
non posée, ça vaut à peu près 400 euros. Voilà, si tu vas la faire poser, bah, il faut forcément rajouter le coût de la main-d'œuvre. Il y a bien 2-3 heures de boulot. Et puis, bah, voilà, après, si tu pars sur des modèles un petit peu plus sympas et qui vont durer plus de temps, bah, forcément, la porte, elle ne coûte pas 400 euros. Donc, il faut rajouter peut-être encore mieux. Allez, 800 ou 1000 euros pour avoir un garage complet. Donc là, on est vraiment dans les prix du bas du marché, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, à 5000 euros, on a un garage construit, fini. Et bah voilà, si tu arrives à louer 50 euros, tu vas avoir 600 euros, tu auras payé 5000, tu vas avoir un rendement à 12%, ce qui est très bien. Dans mon cas, je n'arrivais pas, en fait, c'est impossible de louer ce garage-là à 50 euros, puisqu'on est dans une zone où grosso modo, ça se loue à peu près 35-37 euros. Et donc forcément, bah, mon rendement, lui, aurait été inférieur à 10%. On aurait plutôt été autour de 8-9. Alors ça peut être sympa pour certaines régions, hein, ce type de rendement. Là on est en Normandie, le lot où les garages, voilà, où il y a le terrain, le lot il est à 13% brut de rendement, et les garages, je les ai payés 60 000 euros avec les frais de notaire, les 22. Donc ça veut dire que j'ai payé à l'unité un petit peu moins de 3 000 euros de garage, et en faire construire un, ça me coûterait 5 000. Donc déjà j'ai un problème de rendement, parce que j'arrive pas au rendement initial du lot que j'ai acheté, et deux, j'ai un problème de moins-value, puisque bah, forcément je fais construire des garages à 5000 euros quand les garages existants, en fait, bah, je les ai payés que 3000. Donc dans mon cas, c'était pas possible. Après, il y a certaines régions, notamment, voilà, cette vidéo elle est aussi transcrite d'un article de blog dont tu retrouveras le lien en dessous de cette vidéo si tu veux aller à le voir. Et voilà, je t'ai raconté l'histoire de deux investisseurs, en fait, qui eux ont réussi à avoir des projets rentables dans leur région respective. Après, voilà, comme on dit, tout peut être rentable, tout ne peut être pas rentable. En fait, ça va dépendre un petit peu des cas de figure et des configurations. Et là, je tiens aussi à rajouter que dans mon calcul de rendement, je n'incluais pas le coût du terrain puisque je l'avais déjà acquis, on va dire, dans le prix des 60 000 euros initial. Donc voilà, en conclusion, après, en termes de... au niveau du rendement, bon, faut étudier. 5000 euros de coût de construction, c'est vraiment, je pense, le coût plancher. D'accord ? Sauf si tu fais toi-même, et à ce moment-là, il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas d'entreprise à payer. Mais si tu fais faire par des gens, bah, forcément, 5000 euros, c'est pas cher. Tous les investisseurs avec qui je discute quotidiennement par mail, eh bien, j'ai vu qu'il y avait, en fait, des prix qui pouvaient varier du simple au double selon les régions. Et puis, bah, selon aussi la qualité de construction, etc. Par exemple, voilà, du côté de Bordeaux ou dans le sud, bah voilà, la construction des garages, elle va plus être autour de 10 000 euros l'unité. Parce que bah, y a des endroits où c'est plus compliqué aussi de faire construire, que les artisans sont plus occupés, ça ne les intéresse pas, donc ils facturent un maximum. Et puis bien évidemment, ça dépend aussi de la phase économique, puisque bah, si on est dans une phase où tout le monde a du boulot, construire un petit lot de garage, ça n'intéresse personne. Par contre, quand tout le monde a faim et que les entreprises bah, cherchent du boulot, là effectivement, il y a moyen de tirer des prix qui sont plus intéressants. En termes de zone de construction, construire dans les hypercentres-villes, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que souvent le prix du terrain, il va être exorbitant par rapport au rendement qu'on peut en tirer, et ça va pas valoir le coup. Si on achète un terrain dans centre-ville, on va sûrement être en concurrence avec des promoteurs immobiliers qui eux vont construire des immeubles. Et donc forcément, bah, si tu construis en hauteur, tu multiplies en fait les loyers et les locataires, et ton rendement au mètre carré, il est bien plus important en fait dans un immeuble à étage que bah, sur un petit lot de garage qui reste au sol. Donc ça veut dire que les terrains, on va plus trouver des terrains soit biscornus qui peuvent pas accueillir de maison mais qui vont pouvoir accueillir que des garages, et ça c'est très rentable, je connais des investisseurs qui ont fait ça, ou sinon on va aller plutôt dans des communes, petites communes, moyennes communes, pour là où le foncier est moins cher, où il peut y avoir une demande de location de garage malgré tout, et un équilibre financier qui va être meilleur, on va dire, que dans du centre-ville. Les autres solutions de construction de garage, à part voilà, construction traditionnelle, on va dire, avec des fondations, des murs en parpaing ou en briques avec une charpente et une toiture dessus, on a comment ce qui s'appelle les garages monobloc, d'accord. Donc ça c'est en fait quelque chose qui est très répandu en Allemagne, en fait, et ça vient encore d'Allemagne aujourd'hui. Donc en fait ce sont des gros cubes, sauf que bon, ça n'a pas la forme d'un cube, ça a la forme d'un rectangle, et donc ça fait à peu près 6 mètres sur 3 avec 3 mètres de haut, et ça arrive en fait sur un camion. En l'occurrence, des fois, il y a souvent deux garages par camion, et le camion en fait est équipé d'une grue, et il vient poser en fait le bloc de béton directement en fait sur des longues grilles. Ce sont des, en fait, pareil, des petits rectangles, enfin des petits rectangles,
des rectangles de béton qui font 3 mètres sur 60, sur 30 je crois, ou sur 40, qui permettent en fait d'aller chercher, donc voilà, on creuse une tranchée dans le sol, on coule le béton et ça permet en fait d'aller chercher le hors-gel pour que, bah, on va dire, les garages posent vraiment sur quelque chose qui soit stable dans le temps et que ça ne vienne pas à se déformer. Quoi. Et donc une fois que tu as posé en fait ces deux, tu as besoin de deux bandes de béton, une à l'avant, une à l'arrière, tu poses le garage dessus avec la grue et en fait derrière ils font juste une finition entre les blocs de béton. C'est un petit peu comme des Lego où tu vas poser des briques, sauf que les briques sont des garages monoblocs, donc c'est déjà fabriqué en usine avec un ferraillage et tout est coulé, on va dire, dans la masse avec différentes options de couleurs, de qualité de porte, d'automatisation, de toiture, etc. C'est une solution qu'on voit pas beaucoup en France parce que ça coûte relativement cher. Faut compter 7 à 8000 euros le garage et ça va dépendre aussi bien évidemment de ta région puisque voilà, les garages étant fabriqués en Allemagne, plus le garage que tu veux faire construire est loin de l'Allemagne et plus en termes de transport ça va prendre une part importante, on va dire, dans le coût du garage. Après, c'est une solution quand même qui est assez intéressante pour les gens qui, comme moi par exemple, ne sont pas bricoleurs ou qui ne veulent pas sous-traiter, suivre des travaux avec des entreprises de maçonnerie, de couverture ou de menuiserie. Parce que forcément, s'il suffit juste de louer une mini-pelle pour couler du béton, c'est pas quelque chose qui est très compliqué, ça va pas coûter bien cher, donc éventuellement on peut le faire soi-même. Et puis ensuite, le garage arrivant déjà préfait, juste à poser, bien forcément, en termes de mise en location, on est vraiment sur un délai très très rapide, puisque, on va dire que 2 à 3 semaines après l'acquisition du terrain, on peut avoir la batterie de garage prête à louer. Alors que si on doit passer par une entreprise traditionnelle, le temps de séchage des dalles, etc., et puis d'avoir les gars disponibles pour faire les murs, ensuite pour poser la toiture, pour poser les portes, forcément, c'est des choses, ça va s'étaler sur plusieurs mois, et on sait que dans l'investissement, le temps c'est de l'argent, et donc est-ce qu'il faut mieux payer un petit peu plus cher son garage préfabriqué en monobloc qui arrive et qui est louable directement plutôt que de devoir construire les garages, d'attendre des entreprises et de leur courir après. Voilà. Moi je sais pas, je pose la question, tu peux le dire dans les commentaires, je serais ravi d'en discuter. Pareil, si tu as une expérience bonne ou mauvaise dans la construction de l'autre garage, si tu as trouvé ça rentable, pas rentable, trop chiant ou si tu préfères les acheter déjà construits, n'hésite pas aussi à me le dire. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu n'as pas aimé, n'hésite pas non plus à mettre un pouce vers le bas. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'investissement dans les parkings et les garages.